Bon, il est 20h15 à peu près. J'ai laissé la voiture au parking qui approche l'itinéraire qui monte à la cabale de Pratmou. Chaque fois je l'écorche, je dis Pratmou. Je vais aller vers l'étang de la Grenouillère. Je pense que si tout se passe bien, ben, j'y serai à la tombée de la nuit. Je verrai là, à ce moment-là, si je continue ou pas. Cet itinéraire nous amène à un autre étang, un nouvel étang que je vous ferai découvrir demain. Comme j'avais 20 heures de disponible, plutôt que de partir demain matin à 4 heures du matin, eh bien, je passerai ces 20 heures en montagne. C'est toujours plus fort et plus touchant qu'une randonnée à la journée. Voilà, on a déjà là un début de source qui permettrait de remplir les bouteilles, et il y en a au moins 3 sur l'itinéraire. C'est une des dernières sorties sur le massif de Tab, en tout cas pour les reportages que je suis en train de réaliser. En train de se lever, bon. J'ai bien dormi, je me suis rendormi sur le matin. Hier soir, les vaches, je vais vous le filmer tout à l'heure, elles étaient, pourtant c'est grand ici, il y avait 4 vaches à l'endroit exact où j'avais posé ma tente l'hiver dernier, et là où je voulais me mettre. Elles avaient trouvé le même endroit. Ça doit donc être un bon endroit. Trop bon endroit. Mais là où je suis, c'était un super endroit. Parce que c'est dans un creux, avec des bosses. Hein. Mais tel que je me suis placé, ça me tenait à gauche, ça me tenait à droite. Ça me tenait au pied. Et j'arrivais à me positionner sur le côté bien comme il faut, d'un côté comme de l'autre,
et sur le dos, j'avais pas de bosse sur le dos, c'était chouette. C'était très confortable. Hier j'ai eu envie d'olives. Alors j'ai amené un paquet d'olives. Comme j'avais plus de graines germées, j'avais trop mangé hier soir, mais je me suis régalé. À mon avis, j'en aurai un peu pour le petit-déj, un peu pour midi, mais pas plus. Et un mélange de fruits secs. Parce que ces derniers temps, j'avais des envies de noix de cajou mélangées aux bananes séchées. J'en mangeais trop. Là, le mélange de fruits secs, il est bon. Mais il n'est pas non plus. Il est bon quand même. Hein. Il me régale quoi. Mais il n'est pas aussi attirant que le mélange noix de cajou ben, séché. Voilà. J'ai tout préparé. On va y aller. Je pourrais pas trop vous montrer où elles étaient les vaches parce qu'elles s'en vont. Je vais vous le montrer de suite. Elle dormait un peu plus à droite. Dans le plein herbeux qu'on voit, exactement là où je voulais dormir. Voilà. Là, on a le soleil qui va apparaître derrière l'afro. Photographier Mont Ségur qui est pris par une mer de nuages. Ça va être ma deuxième hein, ce mois de. Je sais pas si on est en juillet ou si on a basculé au mois d'août. On a basculé au mois d'août. C'est ma deuxième. Une le mois dernier, une ce mois-ci. Sauf qu'elle est plus basse là. Et que je m'en suis pas rendu compte en montant dans la végétation. Donc j'ai posé l'appareil ici et je filme après avoir photographié Mont Ségur qui est en train de se faire ensevelir. Autant pour les photos ça passe juste,
à la minute près. Autant là, pour la vidéo, on verra, à mon avis, pas Montségur. C'est dommage. Ça aurait fait une chouette séquence vidéo. Mais je vous montrerai dans la séquence la fin de Montségur. Voilà, on a la cabane de Pratmou. Je ne sais toujours pas. Hein. C'est la carte dans le sac. On vient de passer la carrière là. Et on va avancer vers cet étang. Ce mystérieux étang. Voilà, Montségur disparaît dans la brume. Je pense que j'ai une photo. Une ou deux. Une horizontale, une verticale, c'est tout. Et si j'ai ça, c'est chouette. Parce que c'était vraiment, vraiment... On voyait que le château et la mer de nuages. C'était sublime. Parce que c'est génial ce qui vient de se passer, parce que Montségur venait de disparaître dans la mer de nuages. J'ai décidé de ne pas sortir la GoPro pour me filmer en train de marcher, mais de retourner l'appareil photo, celui-ci donc, et de me filmer comme vous l'avez vu, en train de marcher de dos. Sauf qu'il a fallu que je vienne récupérer l'appareil photo. Et au moment où je viens de récupérer l'appareil photo, Montségur se dégage à nouveau. Alors que je n'avais pas pu le filmer vraiment, là on le distingue bien. Donc j'ai une séquence pour Bios qui sera sympathique avec cette vue en hauteur de Montségur se faisant envahir, puis de nouveau dégager, puis envahir par cette mer de nuages. C'est un chouette moment. Donc j'ai enlevé le sac, je me suis arrêté. Là, ça descend raide. On est sur la crête qui descend du Soularac.
Et comme on est hors sentier, où j'ai voulu m'écarter de l'étang pour avoir une photo où il a la forme de cœur, maintenant je descends par ici. Maintenant il faut descendre par ici pour aller rejoindre la cabane de Pratmont qui se trouve se trouve ici avec la jasse de la grenouillère où j'ai dormi hier soir. Voilà, donc là il reste une longue descente hors sentier. Il va falloir y aller doucement et je mangerai à la cabane de Pramout ou à la jasse. Mais là il faut descendre, c'est assez vertical en fait. On se rend bien compte dans la vidéo, mais voilà, je viens de là. C'est la fin de la ligne de crête. Bon, là, je suis au pied d'une barre rocheuse que je ne peux pas franchir. La cabane est en face. Et je vais chercher un passage. Puisque là, c'était bien pentu. Et maintenant, eh bien, il me faut pouvoir contourner cette barre rocheuse. Pour trouver un passage. Le passage que j'ai suivi, il y a des bêtes qui étaient passées par là. C'était vraiment un peu perceptible. Bon, là, on peut avoir à marcher longtemps pour trouver. Ah, quoique là-bas, je crois qu'il y a un passage. On voit le sentier qui zigzague là devant la carrière où je suis monté ce matin. On voit un peu mieux là où j'ai dormi cette nuit. Voilà, on continue. Ok. Bon, il me faut encore descendre ici, là. C'est pentu, c'est hors sentier, il n'y a pas de... Il n'y a rien. Donc c'est pas un bon choix, désagréable, fatigant, bon, on va pas dire dangereux, mais potentiellement. Donc je vous le tracerai pas, cet itinéraire, pour pas que vous ayez à le faire, vous restez sur l'itinéraire classique, parce que je serai même pas capable de vous le tracer. C'est tout chousse dans les kékés, et c'est pas super. Donc il tarde de faire la pause de midi, de manger mes olives et mes fruits secs. J'ai marqué avec le téléphone SAT régulièrement, comme je vais en envoyer un là, ma position. Et là, je pense qu'il me reste encore peut-être une demi-heure à galérer un peu. Et après, je serai, ça sera correct, je pense, pour arriver jusqu'à la jasse. Allez, à toutes. Thank you.
et on arrivera tout doucement comme ça en sous-bois jusqu'à la voiture. Je ne sais pas quelle heure il est, je l'ai sur le téléphone satellite. 1h30 quand même, ouais. Je serai vers 4h à la voiture sûrement avec les pauses. Ah, ça fait une bonne sortie. Hein. Mais bon, c'était beau. Alors, c'est mitigé au final parce que j'ai bien aimé dans la brume les Tandapi. J'ai bien aimé celui-là pour sa forme de cœur, mais il y a cette carrière à côté et j'ai vu des camions à la montée, donc j'aime pas trop. Au final, je crois que je vais revenir sur ce que j'ai dit dans la précédente vidéo. Je pense que hors brume, vu que la station est juste à côté, les Tandapi restent beaux, mais il sera peut-être un peu plus fréquenté que les temps détruites ou les temps du diable. Donc je garderai pour un bivouac ces deux étangs. Voilà, un coup de cœur. L'étang Thor, il est joli, mais l'environnement est un peu défiguré. Thank you.